Au carrefour de trois continents et à l'est de la péninsule arabique, le sultanat d'Oman représente en superficie plus de la moitié de la France. Il a donné son nom à un golfe et la mer d'Arabie est aussi appelée mer d'Oman. Au contraire de ses voisins, les Émirats du golfe arabo-persique, Oman possède des reliefs impressionnants qui culminent à 3000 mètres d'altitude. Dans le sud-ouest du pays commence l'un des plus grands déserts de sable au monde, le Roub al-Khali, appelé aussi le désert des déserts. Pourtant, la géographie peut ici réserver des surprises. Au sud, en effet, les reliefs sont suffisamment élevés pour arrêter les nuages de la mousson d'été. Les fortes pluies venues de l'océan Indien arrosent copieusement les terres. Partout ailleurs, lorsqu'ils sont délaissés par l'eau, les sols sont ingrats et n'offre que peu de ressources aux êtres vivants. Certaines espèces animales ont pu malgré tout s'adapter entre les milieux désertiques et les rivages marins. Les premières traces humaines apparaissent ici plusieurs milliers d'années avant notre ère. La fondation de la capitale, Mascate, remonte au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle occupe une position stratégique à l'entrée du golfe arabo-persique. Les Portugais s'y établissent au début du XVIe siècle. Ils y restent jusqu'à l'arrivée des Ottomans un siècle et demi plus tard. Le départ des puissances étrangères accentue les rivalités entre les grandes familles régionales. Chacune tente de s'imposer en récupérant les bastions des Portugais et en créant de nouvelles forteresses. Leur nombre témoigne de la convoitise suscitée par Oman depuis des siècles. En 1970, le pays devient officiellement le Sultanat d'Oman. Répartis en plusieurs tribus, les Bédouins d'Oman sont aujourd'hui largement sédentarisés. Ils n'en demeurent pas moins très attachés à leurs coutumes et à leurs valeurs traditionnelles. Les femmes participent à la vie publique du pays. Elles ont accès à l'éducation et disposent du droit de vote depuis 1997. Certaines sont même devenues ministres. Les femmes peuvent faire carrière dans l'administration où elles bénéficient d'un salaire égal à celui des hommes. Avec une moyenne de 5 enfants par famille, la population est très jeune. 60% des Omanais n'ont pas 20 ans. Dans le sultanat, les villes sont peu nombreuses mais très étendues. L'architecture trouve son inspiration dans les anciennes cités médiévales. Dès la fin du XIXe siècle, à l'époque du protectorat britannique, l'influence victorienne est perceptible. Les références arabes sont multiples. Les gratte-ciels à l'occidental, très nombreux dans les Émirats voisins, ne font pas partie du paysage. Élément bien présent dans la vie quotidienne, les traditions sont immuables. L'hospitalité est une seconde nature pour les Omanais. On offre des dattes pour souhaiter la bienvenue et le rituel du thé est un héritage anglo-indien. Les mêmes gestes se répètent inlassablement, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de préparer le café. L'encens valait jadis le prix de l'or. Il fit la fortune et la notoriété d'Oman, même si les ressources ont toujours été variées. Malik Al-Hinal, directeur de musée. Des sardines séchées, des dattes et aussi des citrons séchés. Nous avons toujours exporté tout cela en Afrique, en Iran et en Inde. Nous importons aussi beaucoup de choses d'Afrique, comme des clous de girofle et du café par exemple, et aussi du riz d'Inde et d'autres épices en provenance de différents pays. Oman compte 200 variétés de palmiers dattiers. Cet arbre occupe 60% des terres cultivables. Grâce à une bonne gestion des parcelles agricoles, la production des fruits et légumes est suffisante pour répondre à la consommation locale. Les espèces cultivées sont sélectionnées en fonction de leurs exigences en eau. Oman possède beaucoup plus d'eau que les autres pays voisins, mais on ne la gaspille pas pour autant. L'approvisionnement du pays en eau est assuré notamment par les précipitations de la mousson qui, de juin à septembre, dans le sud, remplissent les oasis, les rivières et les nappes phréatiques.
Certaines eaux sont chargées de minéraux aux vertus curatives. Des camions-citernes de couleur bleue assurent le ravitaillement en eau potable jusque dans les villages les plus reculés. Ils font partie du paysage omanais et beaucoup ici comptent sur leur passage régulier. Même les dromadaires, pourtant très sobres, les attendent. Bien présents également les châteaux d'eau, version terre battue ou version plastique. Certains villages possèdent encore le réseau d'irrigation, le falage, installé par les Perses à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Pour exploiter toutes les terres, on pratique un élevage semi-sédentaire dont le fleuron est le dromadaire. La vocation commerciale d'Oman se perpétue depuis deux millénaires, même si la nature des produits échangés a évolué. Les réserves en pétrole sont moins importantes que celles des voisins, mais l'or noir assure encore 90% des exportations. Des gisements de gaz très prometteurs prennent le relais. Une aubaine pour le pays qui veut réduire sa dépendance énergétique au pétrole. Le commerce s'est développé notamment grâce au boutre, une embarcation venue de la mer Rouge. Les pièces en bois étaient à l'origine fixées par des cordages. Le pays possède aussi une longue tradition dans le tissage et le travail des textiles. Tous les produits qui font la réputation du sultanat se retrouvent dans les souks, à commencer par l'encens, une résine desséchée. Nombre de petits artisans perpétuent les métiers traditionnels. Et parfois, leur activité se développe. La ville de Mascate s'étire sur la côte en se faufilant à travers de nombreuses collines. La capitale est très étendue et en raison des reliefs, il est impossible d'en avoir une vision globale. Aujourd'hui sillonnée de routes, la cité n'était jadis accessible que par la mer. Les anciens systèmes défensifs font toujours partie du décor dans un port bien abrité qui peut accueillir les bateaux de fort tonnage. Au premier abord, la ville étonne par ses lignes horizontales. Pas d'édifices en hauteur. Seuls les minarets se hissent en direction du ciel. La corniche est un lieu de promenade. Les hommes portent la tenue traditionnelle, la dish d'achat. L'or des coupoles contraste avec l'ample vêtement noir des femmes, l'abaya. La baie de Mascate est dominée par deux imposantes forteresses et des tours d'observation. Ce sont les Portugais qui ont décidé leur construction à la fin du XVIe siècle. Le dispositif visait à sécuriser la ville qui avait subi une attaque des Ottomans. À l'abri des fortifications sont installées les principales administrations gouvernementales. C'est là aussi qu'est établi le palais royal, derrière des grilles aux armes du sultan. Oman est une monarchie héréditaire où le sultan est très respecté. Dans les souks, les parfums sont omniprésents. Les femmes et les hommes en imprègnent leur tenue traditionnelle. Autre tradition, le pain sans levain est cuit sur les parois d'un four cylindrique. À eux seuls, les bijoux témoignent du rôle joué par Oman dans l'histoire. Toutes les matières les plus précieuses ont transité par ici. Souvent, les métaux comme l'argent arrivaient en lingots pour être moulés et ciselés par des artisans réputés.
Mascate poursuit son développement, mais la ville ne tourne pas le dos à son histoire pour autant. À chaque rond-point, on y fait référence. Ici, un brûle-parfum géant, et là, les armoiries de la monarchie. Partout, comme des balises, les symboles ponctuent l'envol d'Oman vers le monde moderne. Hôpital, université, les équipements modernes se succèdent. Beaucoup portent le nom du sultan Qaboos. L'université a été fondée au milieu des années 1980 à l'initiative du monarque en personne. La grande mosquée de Mascate est elle aussi dédiée au sultan Qaboos. L'édifice est une pure merveille de l'architecture musulmane contemporaine. Les bâtiments s'étendent sur 40 hectares et pourtant, les lignes épurées et les matériaux utilisés dégagent une impression de grande légèreté. Un lustre en cristal haut de 14 mètres, un tapis de prière de 70 mètres de long représentant 4 années de travail pour 600 artisans iraniens. On est ici dans le domaine du superlatif. Plafonds, vitraux et mosaïques sont d'une richesse inouïe. Au petit matin, à la périphérie de la ville, les pêcheurs s'activent. Le filet est plein. Pas facile de le traîner sur la plage. Des milliers d'éclairs argentés se reflètent à la surface de l'eau. Les sardines sont abondantes dans le sultanat d'Oman, à tel point que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture propose de s'en servir pour alimenter le bétail pour compenser le manque de fourrage. Toutes les traditions sont au programme du Festival de Mascate qui se déroule en janvier ou en février. Pour la circonstance, on arrive des quatre coins du pays. Dans un chaudron en cuivre, on prépare le halva. Des noisettes et des grains de sésame, des œufs, du sucre, du safran et de la cardamone forment un mélange auquel on ajoute de l'amidon. Le tout est porté à ébullition pendant au moins 2 heures. C'est la douceur préférée des Omanais. Délicieux. Pendant le festival, les artisans viennent de partout pour présenter leurs spécialités. Les hommes sont séparés des femmes dans la société musulmane. C'est une règle fondamentale ici. Dans la réalisation des objets quotidiens, les matériaux les plus divers sont utilisés par les artisans, notamment les fibres végétales. Les gestes et les attitudes se reproduisent à l'infini. Toutes les catégories professionnelles sont représentées et tous les milieux naturels. Le meilleur de la production artisanale trouve ici une vitrine animée, de la mer à la montagne et du village au désert. On se détend en jouant à l'awalis. Et on étudie même le Coran dans une petite médersa, une école coranique. À l'extrême nord du territoire d'Oman et à proximité immédiate de l'Iran, il faut passer par l'émirat de Fujairah, qui fait partie des Émirats arabes unis, pour atteindre la péninsule de Musandam.
Les hautes falaises de roches calcaires conduisent vers le détroit d'Ormuz, qui commande l'accès au golfe arabo-persique. La ville de Kassab doit son existence à la présence d'un fort construit au XVIe siècle. Dans le sultanat, les fortifications et autres ouvrages défensifs élevés par les Portugais se comptent par centaines. Le fort de Kassab a été transformé en musée de la vie quotidienne. Les forteresses ont été des maillons essentiels dans la constitution de l'Empire portugais. Il faut affronter de sérieux reliefs pour gagner l'intérieur de la péninsule de Moussandam. La végétation est rare, sauf dans le fond de quelques vallées où de maigres cultures sont possibles. Au milieu d'un paysage lunaire, entre les plissements de la roche, un œil exercé peut remarquer des habitations accrochées à la falaise. Plus loin, d'anciennes maisons traditionnelles s'enfoncent dans le sol. Une seule ouverture y donne accès. Plusieurs figures rupestres ont été recensées dans la péninsule. Elles remontent à une époque où la région était moins désertique. Une série de fjords découpe la péninsule de Moussandam. Le fjord est une vallée creusée par la fonte d'un glacier. Les glaciers couvraient la région lors de la dernière glaciation qui prit fin il y a 10 000 ans environ. Au fond de certains fjords, des villages se sont installés, uniquement accessibles par la mer. Le formidable travail d'érosion entrepris par les glaciers laisse apparaître d'étonnants plissements imprimés dans les roches calcaires. Il s'agit de sédiments marins comprimés par les mouvements de l'écorce terrestre. Au milieu d'un fjord, apparaissent les ruines d'un relais du télégraphe construit à l'époque britannique. Ici, les boutres se font parfois accompagner par de sympathiques escortes. Il suffit de siffler pour les voir apparaître. Des dauphins. Quittant la péninsule de Moussandam, il faut franchir 1000 km avant d'atteindre l'extrême sud d'Oman et la région du Dhofar. Le profil du littoral le long de la mer d'Arabie est pratiquement le même partout. La côte s'étire en une interminable bande de sable. Mais le Dhofar est beaucoup plus arrosé que les autres régions et les précipitations alimentent des cours d'eau qui coulent sans discontinuer. Les reliefs qui fixent les nuages sont d'ailleurs visibles de la côte. La mer sape les rochers. Elle arrive même à creuser des trous à la verticale, des souffleurs, dans lesquels l'eau s'engouffre. Les rochers tourmentés ne lui résistent pas longtemps. L'arrivée dans le Dhofar est spectaculaire. Au long des filets de dunes et de plaines semi-désertiques, succède sans prévenir une étonnante végétation. Le Dhofar occupe le tiers de la superficie du pays. La province s'organise autour de sa principale localité, Salala. En importance, Salala est la seconde ville d'Oman. Pour son développement, elle a bénéficié d'un avantage considérable sur les autres cités. Salala est en effet la ville natale du sultan Qaboos. L'appui du monarque a été décisif pour assurer à la ville de nombreuses retombées économiques
particulièrement visible dans la nouvelle ville. Plus que Mascate, Salalah est une résidence royale. Le sultan y possède un somptueux palais où il a pris l'habitude de rencontrer les notables régionaux. Sur le front de mer de Salalah, devant la mer d'Arabie, on se prend à rêver à l'époque où les richesses du Dhofar attiraient de partout les navigateurs. Dans les souks de Salalah, le poisson occupe le haut du panier. Et comme pour les autres produits, le prix est fonction des arrivages locaux ou étrangers. En dehors des hydrocarbures, la pêche est le secteur économique le plus dynamique d'Oman. Parmi les nombreuses ressources du Dhofar, il en est une qui a véritablement déchaîné les passions pendant des siècles, l'encens, une spécialité traditionnelle de la région. L'encens de Salalah est reconnu pour être un des meilleurs. On le reconnaît même à son odeur caractéristique. L'encens chez nous a une dimension spirituelle. Dans notre société, on l'utilise aussi bien pour parfumer la maison que pour se protéger du mauvais sort. On répand le parfum de l'encens le matin et le soir après le coucher du soleil. Le meilleur encens du pays se trouve dans les souks du Dhofar. Les Omanais l'apprécient. Ils sont sensibles à toutes les stimulations olfactives et notamment à celles des parfums. Ici aussi, on excelle à marier les essences aromatiques. On peut passer des heures à tester les substances et leurs réactions sur l'épiderme. De grands spécialistes français ont prêté leur concours à l'élaboration de parfums souvent hors de prix. Les Omanais peuvent consacrer encore plus de temps à choisir un kouma, la coiffe traditionnelle. Les plus beaux sont finement brodés de soie et de coton. Il est important de choisir la bonne taille, car le kouma n'est pas extensible. Un parfum particulier a été créé quand le sultan Qaboos fêta le 25e anniversaire de son arrivée au pouvoir. On le baptisa Oubar, du nom d'une cité perdue dans le désert du Rub al-Khali, recherchée par les archéologues pendant des décennies jusqu'au milieu des années 1980. Ce sont des photographies infrarouges prises par satellite qui permirent de localiser le site. Aujourd'hui, une nouvelle localité est sortie du désert. Elle s'appelle toujours Oubar. Des fouilles ont été entreprises qui dégagèrent des ruines ainsi que des poteries antiques, certaines vieilles de 4000 ans. Dans la région pousse l'arbre à encens. On ne le rencontre que dans le sud de la péninsule arabique et en Somalie. Lorsqu'on incise l'écorce, l'arbre produit une résine semblable au latex. C'est ici le seul endroit où l'on trouve l'arbre à encens à Oman. Pour obtenir l'encens, on coupe l'écorce avec un couteau. On laisse la résine sécher et on la récupère une dizaine de jours plus tard. C'est à ce moment-là qu'on peut en extraire l'encens blanc. Comme à la parade, les dromadaires défilent, sans un regard pour les véhicules. Quelles que soient les circonstances, l'animal ne se départit jamais de sa nonchalance. Il presse toutefois le pas quand il sent la proximité des pâturages. Le sud d'Oman bénéficie des pluies de la mousson. Elles ne sont pas aussi abondantes qu'en Inde, mais elles suffisent à faire verdir une terre normalement sèche. Le phénomène se produit en été, quand les vents humides soufflent de l'océan Indien vers le continent.
mousson a des conséquences évidentes sur l'agriculture, sur le mode de vie, sur l'économie et sur les sols. Sans relâche, l'érosion taille la roche des Djebel, les collines. Elle creuse le lit des rivières. L'eau charrie des alluvions qui vont fertiliser d'autres terres. Au gouffre de Tawiatayr, l'érosion a même été capable de perforer le calcaire sur 100 mètres de profondeur. Dès l'Antiquité, des caravanes pouvant regrouper 2000 dromadaires se formaient ici. Dans la partie nord, le massif de l'Adjar traverse le pays de part en part. Il est une véritable épine dorsale pour Oman. Les montagnes constituent une protection naturelle pour la localité de Nizwa. Nizwa se cache derrière d'imposantes murailles de terre séchée construites au XVIIe siècle. 10 siècles plus tôt, la ville avait été la capitale du pays. Pour limiter les effets des boulets de canon, les fondations de la tour centrale s'enfoncent à 30 mètres sous terre. À partir de Nizwa, s'organisa le combat qui devait aboutir au départ des Portugais. La terre des poteries réalisée ici est identique à celle des remparts. Les poteries et les coffres en bois cloutés de laiton ne sont pas les seules spécialités des artisans locaux. Jadis, les orfèvres récupéraient les thalers, les pièces en argent de l'impératrice d'Autriche, pour fabriquer des bijoux. On travaille aussi l'argent pour réaliser le kanjar, le traditionnel couteau incurvé. Ce couteau était utilisé par la famille royale. C'est un kanjar. Ce modèle est un kanjar d'Ahmed Ibn Saïd. Il s'agit du premier kanjar. Il était utilisé dans les montagnes il y a plus de 250 ans. C'est un très vieux couteau. Vous voyez, il est très bien aiguisé. La panoplie du combattant prévoit aussi la défense. On se protégeait à l'époque avec ce bouclier. Pour toucher l'adversaire, il fallait frapper ici. Le Djebel Shams, le mont du soleil, abrite une curiosité géologique. Au pied de la montagne s'ouvre la grotte d'Al-Houta. La cavité plonge sur 5 km dans les entrailles de la terre. La roche calcaire est dissoute par l'eau infiltrée. Goutte à goutte, le calcaire se dépose au sol pour se solidifier à nouveau et former d'étonnantes concrétions. En fait, les montagnes d'Oman sont pleines de grottes similaires à celles-ci, mais qui ne sont pas ouvertes au public. Elles ont toutes à leur origine l'érosion par l'eau, qui les a creusées et qui les a modelées. Cette grotte date de 2 à 3 millions d'années. La nature facétieuse donne parfois aux concrétions calcaires des formes très inventives. Là, c'est l'emblème de la grotte Al-Houta, un lion. On peut voir la forme de la tête d'un lion avec deux éléphants posés dessus. Vous pouvez voir encore mieux la silhouette avec l'ombre sur la paroi. Au musée de la grotte, on présente le fragile écosystème souterrain. Certains animaux se sont adaptés à l'obscurité totale. C'est notamment le cas pour une étonnante espèce endémique. Un poisson rose complètement aveugle. En direction de la localité d'Al-Amra, on longe les sommets du Djebel Akhdar. Dans les montagnes arides de l'intérieur, la végétation prend pied dans les vallées, là où les eaux de ruissellement se rassemblent. L'eau remplit les nappes phréatiques et le surplus s'évapore. Malgré les forts contrastes de température entre le jour et la nuit, les hauts plateaux ne sont pas déserts. La vie y est possible, à condition de pouvoir s'acclimater. Les chèvres à poils longs sont capables de supporter des températures très basses. Un village s'est établi près d'un wadi, un cours d'eau temporaire.
Le wadi peut creuser dans la montagne de profondes entailles, même si le plus souvent il est à sec. Les oasis de montagne diffèrent beaucoup par la taille. Quand la vallée est suffisamment élargie, des localités s'y installent. C'est le cas du village de Bilad Seet dans le Wadi Bani Auf. Les zones dévolues à l'habitat et aux cultures sont bien distinctes. Et les parcelles cultivées sont bien séparées de la palmeraie. Chaque mètre carré reçoit une affectation précise. Et les indésirables sont prévenus. Au nord-est du pays, le golfe d'Oman s'élargit lentement en entonnoir vers l'océan Indien. Une situation privilégiée qui a de tout temps favorisé l'approche des bateaux et les échanges commerciaux. Un grand nombre de cours d'eau suivent ici un parcours mouvementé. Certains connaissent un destin particulier comme le Wadi Shab. Avant d'arriver à la mer, le Wadi était souterrain. Mais la couverture calcaire s'est effondrée en ouvrant une cavité où la mer pénètre. Sur la côte au sud-est de Mascate, la ville de Karyat possède un cimetière comme la plupart des localités d'Oman. Une pierre désigne la tombe d'un enfant, deux pierres celle d'une femme et trois celle d'un homme. À la fin du XIIIe siècle, le célèbre voyageur vénitien Marco Polo fit escale sur la côte d'Oman. Il accosta à Sour. La localité bénéficie d'un port bien abrité où les bateaux s'avancent en eau profonde. C'était l'endroit idéal pour développer des chantiers navals qui se spécialisèrent dans la construction des boutres. Les artisans de Sour travaillent sans aucun plan, avec des moyens rudimentaires. Les bateaux en bois de teck sont calfatés avec de la graisse de requin et du plâtre. Les ouvriers sont connus pour leur savoir-faire technique et artistique. Ils ornent de sculptures la proue et la poupe. À mesure où l'on descend vers le sud-ouest, l'altitude du relief diminue. Les massifs sont de plus en plus isolés. La hauteur des collines ne suffit plus pour entraîner des précipitations. Sous un soleil implacable, les arbres limitent leur croissance. Seules quelques espèces tirent profit de la situation, comme les palmiers. Les cours d'eau intermittents sont précieux. Ils approvisionnent un système d'irrigation complexe. On capte l'eau venue des hauts plateaux dans des puits souterrains et des canalisations la conduisent en surface. Au prix de gros efforts, on arrive à le contenir, mais le désert est tout près. Les déserts de la péninsule arabique sont la patrie des Bédouins. En arabe, le mot « bédouin » veut d'ailleurs dire « habitant du désert ». Quant au désert Rub'al-Khali, ses dimensions donnent le vertige. Son nom signifie « le quart vide ». Il couvre en effet le quart de la péninsule arabique,
une surface grande comme une fois et demie la France. Le dromadaire évolue dans le désert comme un poisson dans l'eau. Il est parfaitement adapté à l'environnement, mais s'il peut se passer de boire pendant plusieurs jours, il doit absolument se nourrir. L'ombre est presque aussi rare que l'eau dans le désert. Les animaux domestiques l'apprécient forcément. Les bédouins campent sur place pour garder leurs troupeaux, mais ils ne vivent plus en permanence dans le désert. Leur mode de vie a évolué. Les bédouins se sont dispersés en suivant la diffusion de l'islam en Afrique du Nord et au Proche-Orient. De culture et de langue arabe, ils ont souvent fusionné avec les populations autochtones, à tel point que certains affirment qu'il n'y a plus de vrais bédouins aujourd'hui. Dans leur tente provisoire, ils perpétuent néanmoins la tradition de l'hospitalité. Le confort moderne a changé la vie dans le désert. L'accès à l'eau potable n'est plus un problème et le 4x4 a remplacé le dromadaire, qui n'y trouve que des avantages. Oui, le 4x4 a changé la vie des Bédouins. Il peut aussi offrir des sensations fortes sur un terrain de jeu sans limite. Conduire à travers les dunes, ça n'est pas très compliqué. Si on n'a pas l'habitude, on peut avoir de gros problèmes. Mais avec de l'expérience, c'est vraiment facile. C'est aussi très amusant, car à Oman, les dunes sont exceptionnelles, surtout celles du désert d'Ibra. Conduire dans les dunes, c'est super. On peut aussi apprécier le désert pour les mouvements du sable, imperceptibles, mais bien réels. Le désert rend humble. Il rappelle sa condition à l'homme, tout petit devant la nature.